Salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur un petit webtoon qui dure 16 chapitres, mais bordel, pour moi c'est une masterclass et ça fait réfléchir. Bon, comme chaque début, je vais vous expliquer d'où vient cette œuvre. Donc, cette œuvre, Ma Colocataire, est un webtoon coréen de Han Won Lee et de Sang Park Hyun, qui a été édité sur la plateforme Toonmix en 2015, et ça a été traduit en 2019 en français. Et petite surprise, ce webtoon est interdit aux moins de 16 ans. Donc oui, aujourd'hui on va parler d'un webtoon de cul. Qu'est-ce que ça raconte? C'est vraiment très simple vu que ça dure que 16 chapitres. Notre héros est amoureux secrètement d'une femme, qui un jour lui donna une gifle, pour ensuite lui demander de vivre avec elle. Donc, pourquoi? Et surtout, pourquoi lui? Pourquoi j'aime ce webtoon qui est plutôt court, et pourquoi je vous en parle? Alors c'est très simple. Alors que je cherchais une œuvre un peu olé olé, je suis tombé sur ce webtoon qui, au premier abord, bon, graphiquement, c'est spécial. On est dans une ambiance générale plutôt sombre. Lors du scrolling, normalement, quand tu scrolls sur un webtoon de base, t'as des vides dans les blancs, et puis quand t'as des flashbacks, des fois c'est noir. Dans ce webtoon, tous les vides, tout l'arrière-plan du webtoon, il est noir. Pour dire que dans ce webtoon, on est dans une atmosphère pesante et lourde. Les auteurs vont nous faire croire qu'on va suivre notre héros loser qui n'a rien demandé, qui va vivre avec son crush. Sauf que c'est tout le contraire. En fait, dans ce webtoon, on va suivre l'histoire de son crush qui, avant, était super joyeuse, et au fur et à mesure de la fac avance, elle est devenue malheureuse, elle a fait la tête tout le temps, on sait pas pourquoi, et on va essayer de découvrir pourquoi, justement, elle est devenue si triste et sombre. Bon, à partir du moment de cette vidéo, je vais commencer à parler de sujets un peu graves. Donc, certains mots vont être bipés. Merci de votre compréhension pour pas que YouTube me agarre. Alors, pourquoi elle est devenue sombre? Je vais par quatre chemins. En fait, elle a été victime de... par son ex qui l'a forcé à coucher alors qu'elle ne le voulait pas. Donc cette œuvre est compliquée à lire parce que en fait au début tu crois que tu vas prendre du plaisir parce que de base t'es là pour regarder un truc olé olé, et en fait à la fin t'es doute déprimé parce qu'en fait de base si tu respectes un minimum la jante vite féminine, bah t'as mal pour elle en fait. T'es là, mais en fait son ex est un horrible bâtard. En fait, cette œuvre on suit le parcours d'une femme qui essaye de se reconstruire, donc c'est pour ça qu'au début du webtoon, elle choisit de vivre avec un gars raté, elle est sûre qu'il ne fera rien. Voilà sa façon à elle, à l'héroïne, de se reconstruire. Après... donc après les thèmes difficiles qu'aborde cette œuvre, ce webtoon, bon, il aborde aussi quelques trucs un peu plus légers entre temps, genre ne pas juger son livre à la couverture, genre par exemple le ratin en fait il peut être plus respectueux que le beau gosse qui est vraiment un horrible bâtard. En gros c'est sur les apparences. Je vous rassure, spoiler à la fin, tout le monde finit heureux, sauf un, je vous dirai pas qui. Donc en vrai, je n'ai essayé de pas trop spoiler cette œuvre, même si je pense que j'ai spoilé quelques parties importantes de ce webtoon, parce que je voulais vous le faire découvrir en fait cette œuvre. Je veux que vous découvriez cette pépite cachée par vous-même en fait, qui personnellement m'a fait réfléchir sur ma position en tant qu'homme. Est-ce que je suis le raté respectueux des femmes ou le beau gosse prétentieux qui pense qu'à son cul? Et ça fait réfléchir un petit peu quand même. Donc voilà pourquoi je vous conseille de lire ce webtoon disponible sur Toonmix. Alors cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. Si vous prenez l'abonnement Toonmix, bon, vous en avez à peu près pour 7 balles pour un mois. Si vous prenez cet abonnement, lisez cette œuvre. Et sur ce, bon ben, j'espère que vous avez quand même apprécié cette petite vidéo courte, malgré les thèmes un peu difficiles à aborder, mais il fallait vraiment que je vous en parle, puisqu'il faut que ça sorte du cœur pour dire que, en fait, lisez cette petite pépite. Bon, pour l'instant, je sais pas quand elle sortira la prochaine vidéo. Mais je vous dis à la prochaine.